Yes, welcome to this session on DHS2 as data warehouse, country implementation stories. And we have four presentations for this hour, which means we'll have to be quite condensed. We'll do it as in other sessions that we do all presentations first, and then we have the questions at the end. But you are of course free to post your questions in the chat or in the Community of Practice webpage throughout the presentations. We have a presentation on HISP South Africa from HISP South Africa by Moeti Mposo and Tanya Govender. And we have two presentations from Indonesia, Barry Adrian and Mohamed Afdal. Nous allons aller au prochain sujet. C'est Tanya et Moeti qui sont en charge. Donc, confirmez-moi si vous pouvez voir. Je vais commencer le partage d'écran. C'est bon, on peut voir. Merci beaucoup. Merci. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui sont là dans le monde entier. Je m'appelle Tanya Govender et avec mon collègue Moeti Mposo, on va vous faire notre exposé du jour qui démontre comment est-ce que nous utilisons DHIS2 comme un entrepôt de données avec plusieurs composantes pour pouvoir trouver des solutions de ressources en matière de ressources humaines pour le ministère de la Santé. Il y a 3 mois et demi après la COVID-19 en Chine, on a confirmé le cas de COVID-19 chez nous en mars 2020. Peu de temps après, notre président, Cyril Ramaphosa, a déclaré un état d'urgence de désastre et a imposé le confinement à tout le monde et empêchant les gens de voyager. Donc, il y a eu une équipe de COVID-19 qui devait mieux gérer la situation de COVID dans le pays pour que le pays puisse s'en sortir. Il y a eu des questions en ce qui concerne l'équipe qui va s'occuper des malades de COVID et prendre les informations avec les différentes équipes. Il fallait donc identifier où sont nos spécialistes, ceux qui sont dans le secteur des soins intensifs, pour pouvoir soutenir le plan mis en place. Il y avait le besoin de connaître combien d'équipements dont on aura besoin et où est-ce qu'on allait diriger ces équipements. Le virus gagnant du terrain, le nombre de personnels de santé infectés grandissait aussi. Il fallait trouver la question de savoir où est-ce que les infections se produisent et comment faire pour que les autres qui ne sont pas encore infectés dans le service de santé puissent continuer d'aller au service pour pouvoir traiter les malades. L'Afrique du Sud a reçu en février 2021 un premier lot de vaccins et nous avons eu pour priorité de servir, de vacciner d'abord le personnel de santé. Donc, nous avons eu besoin de répondre à combien de vaccins aurons-nous besoin pour pouvoir répondre, riposter à la COVID-19 et voir combien de vaccins est-ce que nous serons capables de mettre à disposition de tout le monde. Pour répondre à cette question, je vais vous introduire au système d'information des ressources humaines de l'Afrique du Sud. À travers l'interopérabilité, nous avons été capables de pouvoir prendre les données venant de plusieurs sources directement. Et c'est ça qui nous a aidé. Donc, il faudrait savoir d'abord que notre approche initiale nous a beaucoup aidé, y compris le fait de mettre dans DHIS2 le reporting de chaque événement qui se produisait. En Afrique du Sud, nous n'avons pas commencé à utiliser DHIS2 avec la COVID. Nous avons tout fait pour pouvoir gérer les problèmes de santé de manière efficace. Nous avons aligné les systèmes sanitaires sur la stratégie des ressources humaines de l'Afrique du Sud en matière sanitaire.
Donc, il y a eu une planification effective pour les besoins futurs et aussi il y a eu des politiques en matière de planification et il y a eu plusieurs équipes qui travaillaient pour pouvoir nous mener à ces objectifs. Aussi, nous avons assuré tout faire pour pouvoir avoir une gouvernance optimale nous permettant de pouvoir atteindre nos objectifs très facilement. Le système qui soutient la stratégie sanitaire de notre pays a plusieurs composantes. Donc, voici les composantes que nous vous présentons. La première composante, c'est notre registre d'enregistrement du personnel sanitaire. Donc, cela a été développé par notre équipe qui s'est basée sur le registre FHIR, F-H-I-R. Deuxième composante, pour ce qui est de l'entrepôt des ressources humaines, c'est là que nous avons procédé aux données agrégées et que nous avons insérées et nous avons créées à partir de DHIS2. La troisième composante, a été créée grâce à DHIS2, c'est le portail le portail qui réussissait à gérer les ressources humaines en matière de santé. La dernière composante, c'est une application personnalisée qui est développée présentement à HISP Afrique du Sud, qui est sur le module des planificateurs des ressources humaines qui sera mise en place pour les scénarios et pour planifier la manière dont nous allons travailler. Le système actuel est toujours flexible et ça permet d'ajouter encore d'autres composantes pour être plus efficace. Je vais passer la parole à mon collègue qui va nous parler de notre plateforme. À toi la parole, Moeti. Merci. Est-ce que je peux me rassurer qu'on m'écoute d'abord? OK, on m'écoute. Je remercie. C'est bien. Bonsoir à tout le monde. Bonjour, selon là où vous êtes. Voici en quelque sorte l'architecture utilisée. Voici l'architecture utilisée dans notre pays. Il y a beaucoup de données qui viennent à travers notre source primaire qui vient de notre personnel de santé, qui vient aussi des données qui viennent aussi du secteur privé. Les données qui viennent souvent sous forme de données démographiques concernant le personnel de santé. Nous avons mis en place une plateforme qui est en charge de deux processus. Premièrement, le fait de gérer les données agrégées pour le reporting. Le moyen préféré pour nous, c'est avec FHIR. Mais le système DHIS2 peut aussi recevoir les données dans tout type de format. Cette capacité est établie grâce au fait qu'on peut transformer les ressources et les données dans FHIR pour pouvoir mieux les gérer. Les données sont prises dans différents repositoires. Donc, il y a premièrement le registre des données sur la santé pour le personnel sanitaire et cela est basé aussi sur la plateforme FHIR. Ici, nous voyons un exemple de ressources pratiques dans le registre FHIR. Nous avons essayé de les raccourcir pour pouvoir vous les afficher. Maintenant, l'entrepôt des ressources humaines agrège les données pour le reporting des ressources humaines et c'est fait avec DHIS2.
Ici, nous voyons les données. Dans DHIS2, nous utilisons DHIS2 pour l'analyse de nos données. Notre base de données fait partie aussi de l'architecture HRH. Et donc, nous devons avoir toutes les informations quand cela se doit. En matière d'interopérabilité, nous avons facilité en termes d'interopérabilité, cela nous a permis à pouvoir intégrer d'autres applications dans DHIS2. Donc, nous avons déterminé comment est-ce que les employés du secteur sanitaire ont fait pour avoir la COVID-19 et déterminer plus tard qui sont éligibles à la vaccination selon la décision du gouvernement. La composante d'interopérabilité permettait de pouvoir gérer aussi le flux des données comme nous l'avons vu plus tôt dans ce que nous avons présenté. Cela a à voir avec le développement des applications aussi. Le reporting dans le système dont il est question est fait sous plusieurs formats. Donc, nous avons premièrement la visualisation pour les données agrégées. C'est un exemple de données de ressources humaines mis dans DHIS2. Quand vous avez des requêtes pour l'analyse, nous créons ce dont nous créons la base de données dans DHIS2 pour le rapport. Aussi, nous avons la solution BI pour le reporting qui est fait tant sur les données agrégées que sur les autres types de données. Présentement, nous utilisons Power BI pour faciliter cela. Cette diapo montre un rapport présenté dans Power BI et nous avons pris le rapport dans DHIS2, mais nous pouvons aussi mettre cela dans les autres logiciels via l'interopérabilité qui nous est offerte. Donc, comme nous avons les résultats, nous les partageons sur le portail numérique. Donc, ce portail est une autre composante. C'est une application qui a été développée en utilisant des bibliothèques venant de différentes sources. Ce que vous voyez présentement, nous voyons les données dans le portail web. Ce rapport nous montre les catégories selon l'âge, le genre et la race. Ici, nous pouvons voir aussi à gauche l'hiérarchie du personnel sanitaire. Ce que HISP Afrique du Sud est en train de développer aussi, c'est le module de planification qui facilite les scénarios, et stipule quelles sont les exigences pour pouvoir atteindre nos objectifs. Le ministère a mis en place cette équipe de travail pour pouvoir anticiper sur les besoins futurs. Ça permet d'avoir des données et pouvoir mettre en place des politiques en matière de gestion et d'investissement. Voici en quelque sorte l'architecture de notre système. En ce qui concerne les perspectives, nous travaillons avec d'autres sources pour améliorer la qualité. Nous travaillons sur le module de planification RH. Aussi, nous développons une machine d'apprentissage pour pouvoir analyser les données. Et aussi, nous avons accéléré les analyses pour faciliter
une meilleure compréhension et une meilleure planification. Aussi, nous avons permis au ministère de la Santé pour pouvoir atteindre, nous avons permis au ministère d'atteindre nos objectifs. Voici la fin de notre exposé. Nous vous remercions d'être avec nous. Si vous voulez nous discuter avec nous, vous pouvez utiliser les mails qui s'affichent à l'écran pour plus de compréhension. Merci de votre aimable attention. Merci. Nous allons aller à la présentation sur l'Indonésie. Thank you, Johan. Can I start our presentation now? Yes, please. Okay, please let me share our presentation. Laissez-moi partager notre présentation. I think you should have the authority to do that. Si tu es capable de le faire, il y a quelques difficultés. Il a partagé mon écran. Okay, first of all, good evening from Jakarta. Bonjour depuis Jakarta, en Indonésie. Merci pour de partager notre question dans ce développement. Moi et Adrien, nous allons essayer de mieux de présenter notre travail. Laissez-moi d'abord introduire la ville de Jakarta. Jakarta est l'une des 34 provinces en Indonésie. Et vous savez, le pays d'Indonésie est constitué de plusieurs districts avec plus de 10 millions d'habitants. Hier, nous avons célébré notre 449e anniversaire. Dans le environnement digital d'aujourd'hui, l'importance des données est plus importante qu'avant. Il est très critique que les organisations internalisent leurs données pour pouvoir gagner en temps. Alors, comme le rapport de santé de Jakarta, on a vu que ceci n'est pas un problème, mais cela nous incombe à mettre la priorité sur certaines données et voir comment nous pouvons bien les utiliser. Après que le Jakarta a fait preuve de beaucoup de progrès dans l'implémentation du système de données, comme le traçage des données ainsi du COVID-19 et autres. Nous avons encore des problèmes fondamentaux qui sont liés à la gestion des données. Il y a toujours beaucoup de données qui sont fragmentées, inconnues ou non utilisées par certaines unités. Les gens se demandent alors, quelles données correctes et d'autres problèmes? Peut-être, comme d'autres organisations, alors, la demande d'intégration des données par plusieurs systèmes multiples, cela conduit à d'autres systèmes. Le processus d'enregistrement de tous ces registres doit être facilité afin de bien se dérouler, aller facilement et d'avoir un accès facile. Facile à importer, facile à emmagasiner, facile à analyser. Dans ce cas, le département du Jakarta de santé a choisi et a cherché une plateforme pour intégrer différents systèmes comme un centre de données que nous avons déjà. Le mois passé, nous avons eu l'opportunité de présenter le protocole du département de santé de Jakarta dans notre centre de données. Ainsi donc, dans cette occasion, nous allons essayer de présenter un des modules dans notre centre de données. Alors, le module d'initiation est l'une des priorités parce que ceci conduit à plusieurs modules qui sont utilisés dans différents départements de santé à Jakarta, également à l'excès, c'est-à-dire
au ministère de la Santé de Jakarta en collaboration avec le département. Et c'est aussi l'un des indicateurs utilisés pour évaluer la performance du gouvernement, également le système de santé du ministère de Jakarta. Le processus d'initiation a été rendu facile, accessible, et cela a été permis pour évaluer le système de santé publique. Un des modules que nous avons bâti, c'est le système de gestion de vaccination. Alors, ce module a été bâti sur le système de standardisation provenant du ministère de la Santé depuis 2004. Depuis son introduction jusqu'alors, il n'y a jamais eu un défi majeur, mais ça nous a également libéré de certains fardeaux parce que le nombre de formulaires qui devaient être remplis de façon longue a été vraiment écouté. Et cela n'interfère pas avec les données remplies sur papier qui conduisaient souvent avec les erreurs et autres. Alors, les défis qu'on a eu dans le développement du centre de données, c'est-à-dire le travail avec les données à temps, alors enlever tout ce qui n'est pas conforme, bâtir une architecture conforme, alors suivre les termes et atteindre l'objectif mis en place ensemble, également les données venant de nouvelles unités, des nouveaux utilisants. Quelques problèmes, les vaccinations des systèmes manuels qui se posent. Alors, il y a quelques problèmes qu'on a eu, qu'on a eu à rencontrer avant d'utiliser le module. Alors, nos objectifs en développement se sont tournés et ce module pour accélérer le processus de la collecte et de la transmission des données de santé, faciliter la visualisation des données, leur analyse, l'intégration et la synchronisation des données sanitaires. Nous croyons que les avantages de ceci, de ce projet, c'est une meilleure collaboration, également un déploiement, la disponibilité des données en temps réel et des données venant de plusieurs sources multiples. Et cela également peut nous aider à mettre en place un partenariat meilleur et une meilleure relation avec les gens. Et également, ça nous permet d'épargner le temps et d'éviter beaucoup. Nous aimerions remercier également toute la communauté, l'équipe HIS2 et le professeur Yon qui a donné beaucoup de soutien. Et ne pas oublier toute la communauté qui a aidé tout le long de cet événement. Merci à vous depuis Jakarta. Alors, à toi la parole, Johan. Je pense que nous allons aller au dernier présentateur, Mohamed Aksa, qui est de notre avant d'aller à l'étape des questions. Merci beaucoup, M. Johan. Je vais partager mon écran tout d'abord. Vous pouvez voir mon écran? Oui, nous pouvons voir. Alors, merci beaucoup. Laissez-moi m'introduire. Alors, l'équipe Mohamed a déjà introduit. Je suis là pour parler de notre projet. Implémentation digitale pour le système de santé. Vraiment, nous voulons avoir un projet de bâtir des villes sanitaires. Depuis 2007, nous avons ce projet qui est développé sur 5 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2022. Nous voulons le faire en Indonésie, en Inde, également au Népal. Ce projet, c'est mettre en place une approche générale pour l'implémentation de certaines données dans certains domaines comme la santé,
le planning urbain, le développement, la communication, enfin, les enfants, la nutrition, la sécurité, l'éducation. Donc, à partir de cette approche du système, nous avons vu que pour pouvoir atteindre cet objectif et aller au niveau supérieur, le projet qui est ciblé à la santé, nous avons vu que la plus grande exigence, c'est l'intégration des données des différents secteurs. C'est pour bâtir un système de prise de décision basé sur la collecte des données. Comment est-ce que l'intégration des données rend la ville plus sanitaire? Premièrement, nous devons savoir que les données jouent un rôle majeur dans la collaboration à plusieurs secteurs, c'est-à-dire nous avons besoin de cela pour bâtir les déterminants sociaux de la santé. Alors, le système d'intégration des données permet aux villes de plus rapidement identifier les risques de santé, les pandémies comme le COVID-19, les problèmes environnementaux, également les problèmes liés au climat, aux instabilités. Dans l'intégration de ce système de données peut également faire ressortir les différents groupes, les différentes populations, les différentes couches qui sont vulnérables à certains risques de santé dus à des disparités existantes. À partir de ces analyses, nous devons améliorer la qualité des données, l'accessibilité des données qui doivent venir à temps pour pouvoir permettre une prise de décision et voir comment souvent mettre cela sur la plateforme disponible à tout le monde. Nous avons également essayé d'être avec les officiels de ville, les responsables de ville, comment est-ce que nous pouvons avec eux pour améliorer la qualité des données, c'est-à-dire comment est-ce que nous pouvons travailler de façon collaborante et améliorer la qualité des données. Alors, dans ce contexte, nous utilisons la plateforme HS2 pour répondre pour intégrer ce programme de ville sanitaire, c'est-à-dire de santé totale dans la ville. Alors, le CON a commencé depuis 2005, ce programme, dans plus de qui a permis de développer plus de 170 indicateurs sanitaires de ville. Et cela peut être affecté par certaines infrastructures de transport routier, etc. Ce programme a été initialement par le ministère de la Santé. Voici le résumé du processus. La réunion initiale de la conférence de 2019, nous avons commencé. Un an après, c'est-à-dire en septembre 2020, en pandémie, nous avons eu à faire un webinaire pour pouvoir améliorer l'intégration des données au niveau de la ville, qui y compris les différents secteurs. Un mois après, DHIS a également essayé de mettre en œuvre certains systèmes qui nous sont bénéficiés, c'est-à-dire comment intégrer les données des villes. Avoir le secteur, c'est-à-dire comment chaque ville met en place un planning de santé et depuis certains indicateurs d'évaluation de santé sanitaire au niveau de chaque ville pour partager. En 2020, nous avons eu une réunion technique avec PHS2, avec nous avons essayé de planifier en mars 2021, nous avons fait un atelier virtuel pour définir les opérations, comment est-ce que nous pouvons mettre en place plus de 170 indicateurs pour définir le cas sanitaire de chaque ville.
En avril 2020, nous avons eu à faire un atelier concernant la collecte des données. Alors, voici le résumé de notre système d'intégration des données. Alors, en intégrant la plateforme DHCP, nous avons eu à mettre en place des indicateurs de santé sanitaire dans les villes à secteur, c'est-à-dire les indicateurs comme le commerce, nous avons transféré le tableau de bord DHCP. Aussi, au niveau du gouvernement, nous avons essayé de développer un standard, c'est-à-dire un mécanisme pour le partage et la distribution des informations en standardisant le processus. Alors, voici le résumé de nos 70 indicateurs. Il y a 7 principaux. C'est-à-dire les questions de santé, les infrastructures, les transports, mettre en place un système en place. Alors, c'est ça, bien défini, c'est-à-dire les systèmes de services pour les enfants à l'école élémentaire, services de santé pour les personnes en âge, également services de santé disponibles pour ceux qui ont l'hypertension, le diabète, la maladie mentale. Alors, mettre en place certains problèmes critiques qui ont été soulevés. Bien sûr, dans nos processus, on a été modifiés. Vraiment décidé à cause de la pandémie d'adapter certaines choses. La pandémie a eu pour faire des restrictions et de faire plus. Également, tout le processus souligné comme la sécurité des données. Comment est-ce que d'autres secteurs peuvent utiliser certaines données de façon un peu négligent. Donc, nous avons eu à leur faire un rappel que chaque département doit utiliser de façon constructive. Donc, on est qui doit être également mis d'accord sur la standardisation concernant le partage, la protection, l'interopérabilité et la maintenance des données. Finalement, il y a également différents secteurs qui ont à initier d'autres choses. Donc, nous avons également dû à différencier les différents secteurs. Alors, qui ont mis en place des plannings, des associations, des différents concepts pour pouvoir améliorer les systèmes. Je pense que tout ce que nous avons dit, merci beaucoup pour votre participation. Maintenant, Joanne, nous te donnons la parole. Tu peux débuter la session de questions-réponses. Ce sera bien sûr dans les commentaires ou bien vous pouvez juste lever la main. Merci à tous les présentateurs. Des questions? Il n'y en a pas. This is the last chance, and I think, dernière opportunité de poser des questions. Que nous allons clôturer ici. Nous allons continuer sur la question pratique. Vous avez des commentaires additionnels ou bien des questions. So unless there are any... À moins qu'il y ait une question particulière. Je remercie tous les présentateurs, participants qui ont rejoint cette session. Je vous souhaite une meilleure suite de journée. Et une fin de la conférence annuelle. Merci beaucoup. À plus.